Ils peuvent se qualifier aujourd'hui, mais leur sort dépendra aussi de ce qui se passera ailleurs. On va suivre tout cela ensemble. Salut à toutes et tous, merci d'être fidèles au poste pour ce match. J'espère que vous êtes bien installés, ça va être sympa je pense. C'est Hervé Matou. On verra notamment si le Bayern Munich va parvenir à se qualifier pour le 8e de finale de cette Ligue des Champions. Le Bayern Munich face au Benfica. L'équipe locale qui a l'occasion de décrocher son billet pour la phase suivante dès aujourd'hui. C'est une sacrée motivation. Voici la composition du Bayern de Munich aujourd'hui. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. La composition du Benfica de Lisbonne. Nicolas Otamendi en défense aux côtés de Jan Vertonghen. Pizzi sera lui associé à Julian Weigl au milieu de terrain. À la pointe de l'attaque, un seul joueur, Haris Seferovic. Allez, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Inspiration sur cette passe. Un centre qui est contré. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. On voit tout ça, ce centre en retrait d'abord. Et le buteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Otamendi pour Pizzi. Il donne par-dessus. Le Benfica à l'attaque. Rafa. Pizzi. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Alfonso Davis. Marcel Sabitzer. Koretka. Rafa. Ouais, bien joué le gardien, il fallait y aller sur ce ballon en profondeur. Niklas Süle. Marcel Sabitzer. Serge Gnabry.
Coman. Goretzka. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Corner. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Marcel Sabitzer. Il gagne son duel. Rafa. Quelle occasion manquée. Ah, c'est bête, hein. Ça aurait complètement relancé ce match. Marcel Sabitzer. Ok, Goretzka. Kingsley Coman. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Attention, ça peut faire but. Oh, ça va être dedans. Ralenti de cette action. Parfaitement conclu, le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ouais, bonne interception, Thomas Müller. Attaque du Benfica. Va-t-il parvenir à centrer ? Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. C'est une touche pour Benfica. Weigl. Pizzi. Seferovic. Seferovic. Allez, le centre maintenant. Seferovic. Hors jeu. Hors jeu, indique l'arbitre. À mon avis, de très peu, hein. L'équipe qui a pris la main mise sur le ballon. L'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore, comme elle l'a déjà fait aujourd'hui. On ne voit pas comment la victoire pourrait leur échapper. Oh, le ballon dangereux. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et en tout cas, il s'est raté. Weigl. Le Benfica à l'attaque. Valentino Lazaro. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Rafa. Ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Goretzka. Marcel Sabitzer. Ok, Goretzka. Müller. Ah, il protège son ballon. Le Bayern qui perd le ballon. Attaque du Benfica. Ouais, lumineuse cette passe. Et plus qu'un but de retard au tableau d'affichage. Ah, ça va être chaud. Non, voilà la spontanéité de cette frappe, hein. Sans se poser de questions, paf, c'est parti, splendide. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Il mène au score, ils font tourner le ballon et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Kingsley Coman.
Allez, dans la boîte, il y a du monde. Un arbitre qui siffle une faute, bien sûr, sur cette intervention. Et qui risque même de sortir un carton parce qu'il y avait action dangereuse derrière. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. On va peut-être assister à une contre-attaque. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Il faut qu'il centre maintenant. Ah, c'est bien défendu. Ah, quel dommage. Il avait réussi à créer le danger. Kingsley Coman. Altmüller. Koretka. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Seferovic. Il est en train de remonter le terrain. Pizzi, il tente une frappe lointaine. Ah, c'est une grosse occasion ratée. Mais on va dire que c'est une occasion. Ça prouve qu'il n'est pas trop tard, qu'il est encore possible d'égaliser. Alfonso Davis. Marcel Sabitzer. Müller. Pour Coman. Il y aura une minute seulement, une minute minimum. Attention, il est tout seul. Ouais, la bonne parade, attention, ce n'est pas terminé. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Il est sur la trajectoire. Ils font tourner en attendant une ouverture. Qu'est-ce qu'il va faire ? Kingsley Coman. Oh, magnifique l'intervention. Superbe réflexe dans les buts. Ouais, très appliqué. Hein. Kimmich sur ce corner. Ce corner qui échappe à tout le monde. Éventuellement un oiseau qui pourrait le reprendre. Koretka. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ah, ils perdent ce ballon. Un petit rappel, mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié. Ce rendez-vous très important. Ce sera un vrai bon match qui nous attend dans quelques minutes maintenant. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Oh oui, le but ! Oh, c'est l'égalisation ! C'est l'égalisation. Ils étaient menés de 2 buts. Ils n'ont pas baissé les bras. Et les voici revenus à égalité. Bon, tout commence hein, par ce bon centre. La reprise de la tête qui ne laisse aucune chance. Les équipes qui font jeu égal. Le score qui est de 2 partout. Thomas Müller. Pour Coman. Kingsley Coman. Marcel Sabitzer. Kingsley Coman. Koretka. Occasion de prendre l'avantage. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! L'entraîneur qui va faire un changement. Le corner frappé par Joshua Kimmich. Ouais, ballon facile. Cette tête qui n'était pas suffisamment dangereuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Et le ballon qui va heurter la barre avant de finir au fond des filets. Ah, c'est un sacré retournement de situation.
Ça fait donc 3-2, un petit but d'écart. On va aller voir Barcelone, car je crois qu'il y a un but barcelonais. Oui, deuxième but à l'instant en faveur du FC Barcelone. Un but inscrit par Memphis Depay, dû surtout à une erreur de la défense. Donc 2-0 pour l'instant, après 60 minutes de jeu. C'est parfait, merci pour ces infos. Il faut trouver une option disponible. Très commande. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Marcel Sabitzer. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il alerte son partenaire dans le dos. Seferovic. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Ah, le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Vu venir. Thomas Müller qui poursuit son effort. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Finalement, il revient à la faute. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. Et c'est capté par le gardien, le coup franc qui ne donnera rien. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Ouais, bien joué, hein. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Il y va tout seul, énorme occasion. Oh, la faute et le pénalty pour le Bayern. C'est dedans, sans trembler. Alors, on voit cette Panenka réussie, pleine d'audace. Quatre buts à deux, nouvelle évolution du score, on se régale. Protège son ballon. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. C'est une touche pour Benfica. Il y a du nouveau du côté de Barcelone, semble-t-il. Et oui, c'est le troisième but pour le FC Barcelone. Un but inscrit par Memphis Depay. C'est son deuxième aujourd'hui à la suite d'un tir dévié. Le score est maintenant de 3-0. Alors que nous en sommes à 76 minutes de jeu, Hervé. Merci, c'était bien complet. Weigl. João Mario. Le Benfica à l'attaque. Et d'ailleurs, sans souci sur cette action. Müller. Koretka. Pour Coman. Ah oui, la bonne passe. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision, hein, sur cette passe en profondeur.
C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Ouais, il reçoit du soutien. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Kingsley Coman qui va pouvoir aller de l'avant. C'est le désert devant lui. Il va le prendre l'espace. Oh, la mauvaise relance du gardien. Rafa. Weigel. Jan Vertonghen. Otamendi. Seferovic. Corentin Tolisso à l'interception. Avec Corentin Tolisso. Quand une fin de match au ralenti, vraiment. On ne voit pas trop comment le score pourrait évoluer maintenant. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. À la passe de Kingsley Coman et qui a trouvé un adversaire sur sa route. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Seferovic. Le gardien sans scrupule, loin devant. Kingsley Coman. Passe à redoublement qui se multiplie. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. C'est une victoire convaincante pour cette équipe qui a su dominer ce match, bien le maîtriser et prendre l'avantage au tableau d'affichage. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Un centre qui est contré. Oh, l'ouverture du score! Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Attention, ça peut faire but. Oh, ça va être dedans! Attaque du Benfica. Ouais, lumineuse cette passe. Et plus qu'un but de retard au tableau d'affichage. Ah, ça va être chaud. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Oh oui, le but! Oh, c'est l'égalisation! C'est l'égalisation! Ils étaient menés de 2 buts! L'occasion de prendre l'avantage. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh, c'est bien joué! Attention, il est en train de prendre le large! Et le ballon qui vient heurter la barre avant de finir au fond du filet. Et c'est dedans, sans trembler. Sports. It's in the game.